Donc je déclare la séance ouverte. Suite à la démission de Monsieur Bernard Morillo de ses fonctions de maire et de son mandat de conseiller municipal à effet du 4 septembre 2023, j'ouvre la séance en tant que première adjointe en application de l'article L21-22-17 du Code général des collectivités territoriales. Donc je précise que cette séance est retransmise en direct. Je vais procéder à l'appel. Priour Nathalie, présente. Lambert Stéphane. Présent. Dionne Monique. Présent. Alain Gérard. Présent. Giraudino Christine. Présent. Masson Roger. Présent. Guitney Aurélie. Présent. Chauvet Constant. Présent. Nicolas Isabelle. Présent. Elgouache Catherine. Présent. Guillet Olivier. Présent. Bossard Nathalie. Présent. Le Billan Yannick. Présent. Renaud Dino Laurence. Présent. Jonathan Anthony. Présent. Berthelot Samuel. Présent. Rissi Thierry. Présent. Binet David. Présent. Loira Mariette. Présent. Belin Christophe. Présent. Rimbert David. Présent. Chauvet Delphine. Présent. Poiblan Emmanuel. Chevalier Christine. Présent. Fradin Guiluc. Présent. Merceron Fabienne. Présent. Héros Frédéric a donné pouvoir à Bruno Clavier. Augiéra Sandra. Présent. Clavier Bruno. Présent. Donc le quorum de 14 étant atteint, nous allons démarrer le conseil municipal. Qui veut être secrétaire de séance? Mariette. Donc, Mariette est désignée secrétaire de séance. Avez-vous des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil municipal en date du 4 juillet 2023, transmis à tous avec la convocation de ce Conseil municipal? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Donc le conseil municipal est incomplet avant l'élection du successeur. Il convient donc d'installer deux nouveaux conseillers avant l'élection du maire. C'est le point numéro 1. Donc pour donner suite à la démission en date du 30 août 2023 de M. Yvan Théry, élu de la liste majoritaire et conformément à l'article L270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le conseil municipal par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée. En conséquence, M. Emmanuel Poiblan a été convoqué. Pour donner suite à la démission de M. Bernard Morillo et conformément à l'article L270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le conseil municipal par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée. Mme Christine Chevalier a été convoquée. Ils ont reçu la charte de l'élu local ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal. Donc je déclare les deux conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous exprimer si vous le souhaitez. Emmanuel, est-ce que tu veux dire un petit mot? Christine? Bienvenue. Donc le conseil municipal prend acte de l'installation de Monsieur Emmanuel Poiblan et de Madame Christine Chevalier en qualité de conseillers municipaux. Le conseil municipal prend acte de la modification du tableau du conseil municipal. Et je vais donner la parole à Roger Masson, doyen de l'Assemblée. C'est bon. Alors, suite à la démission de notre collègue Bernard Morillo, il convient de procéder à l'élection du maire. En tant que plus âgé des membres présents au conseil municipal, je prends la présidence de l'Assemblée, article L21-22-8 du CGCT. Mais au préalable, je voudrais adresser un salut fraternel à Bernard et le remercier pour ses 28 années de conseiller municipal, dont 18 années de fonction de maire. Au service des Pazenaises et des Pazenais.
lui dire un grand merci pour son action et pour la confiance qu'il nous a témoignée au cours de ses différents mandats. Je souhaite bon vent à Bernard pour sa nouvelle vie de citoyen. Alors, je vais procéder à nouveau à l'appel nominal des membres du Conseil. Prions Nathalie. Lambert Stéphane. Présent. Dionne Monique. Présent. Alain Gérard. Présent. Giraudino Christine. Présent. Masson Roger. Présent. Guitney Aurélie. Présent. Chauvet Constant. Présent. Nicolas Isabelle. Présent. Lelouache Catherine. Présent. Guillet Olivier. Présent. Bessard Nathalie. Présent. Le Billon Yannick. Présent. Renaudino Laurence. Jonathan Anthony. Présent. Bertolo Samuel. Présent. Richie Thierry. Présent. Binet David. Présent. Laura Mariette. Présent. Fradin Guiluc. Présent. Merceron Fabienne. Présent. Hiro Frédéric, absent, donc a donné pouvoir à Bruno Clavier. Ogeras Sandra. Présent. Clavier Bruno. Présent. Belin Christophe. Présent. Rimbert David. Chauvet Delphine. Présent. Poisblanc Emmanuel. Présent. Et Chevalier Christine. Présent. Donc je dénombre 28 conseillers présents et un pouvoir donné à M. Bruno Clavier. Donc j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L21-22-4 et L21-22-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Parmi les membres du conseil municipal, si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Maintenant, nous allons constituer le bureau de contrôle des votes. Donc, le conseil municipal doit désigner deux assesseurs, au moins. Donc, je demande à Mme Mariette Loira et à Mme Sandra Ogeras si elles acceptent ce rôle. Donc, je vais procéder à l'appel de candidature. Est-ce que parmi l'Assemblée, qui se porte candidate ou candidat pour l'élection du maire de Sainte-Pazanne ? Moi, je présente ma candidature. Donc, Madame Aurélie Guitney. Bruno Clavier, candidat. Bruno Clavier. Thierry Donc, le déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote, donc qui est ici. Il doit me faire constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. Chaque conseiller municipal dépose lui-même son bulletin dans l'urne. Donc, après, on verra si tous les conseillers ont voté. Je vais demander aux assesseurs de se déplacer, s'il vous plaît. Peut-être avant le vote, ce serait peut-être bien que chaque candidat. Ah oui, ok, donc à la limite. Ok, ouais, excuse-moi, très... mais, d'accord. Okay. C'est pas très logique. Bon, okay. Écoute, Bruno. Ouais, Aurélie ? Je peux commencer ? Ok. Donc, je présente donc Bruno Clavier, hein, je suis candidat. Je présente ma candidature au nom de l'équipe municipale d'opposition. Vous voyez ça comme une alternative aux candidatures de la majorité dans l'intérêt des Pazenaises et des Pazenais.
Cette candidature s'appuie sur des convictions, des valeurs que nous partageons, nous, équipe d'opposition. Nos convictions en deux mots. Pour Sainte-Pazanne, défendons une croissance démographique raisonnée. Pour Sainte-Pazanne, remettons le débat au centre du village. Débattons en conseil municipal des sujets structurants pour la commune. Et consultons les citoyens, les Paznes et les Paznais, sur ces projets structurants. Soyons proactifs en matière de santé environnementale. Et pour Sainte-Pazanne, j'ai envie de dire, investissons dans notre jeunesse, pour notre jeunesse, c'est notre avenir. Je vous ai parlé aussi de nos valeurs. Nous tenons à défendre deux valeurs principales, la valeur travail et la valeur solidarité. La solidarité, ce n'est pas donner, c'est partager, c'est offrir la dignité. D'un point de vue personnel, je présente ma candidature pour trois raisons. La première, je me sens capable d'assumer cette fonction, fort de mes engagements associatifs ici, fort de l'exercice de ma fonction de correspondant de presse pendant 25 ans. Je crois que j'ai dû assister à tous les conseils municipaux depuis 1994. Fort aussi et surtout de mon expérience professionnelle, faite de management de projets et de management de l'humain. Deuxième raison, j'en ai envie. Troisième raison, j'aime cette commune, j'aime ma commune. Un petit regret cependant, le fait, je trouve ça dommage que nous ne soyons pas allés devant les Paznaises et les Paznais, devant les électeurs, pour élire le nouveau maire. C'est quand même un moment fort de la vie communale. Merci de votre écoute. Merci Bruno. Thierry, peut-être. Même chose, enfin, voilà, je voulais me proposer comme étant aussi un choix, notamment dans ces temps de transition qui sont essentiels et peut-être ce moment qui est assez privilégié pour envisager un avenir pour notre belle commune sur laquelle évidemment je suis très attaché. Évidemment, je partage aussi des convictions avec la majorité, donc c'est pas du tout non plus contre mes amis de la majorité. Je suis convaincu que notre localité joue un rôle crucial au sein de l'agglomération dans laquelle, vous savez, je suis plutôt bien implanté et j'en comprends tous les rouages aussi économiques et l'ensemble de l'écosystème. Et évidemment, dans ce sens, je suis prêt à m'engager pleinement dans cette mission. On le sait très bien, Sainte-Pazanne joue un rôle de centralité et je pense que sur les prochaines années, un ensemble de projets sont en construction et devront être nécessaires pour jouer ce rôle de centralité entre Nantes et Pornic. Je suis conscient que ce rôle peut prendre énormément de temps. Vous le savez, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que j'ai un emploi du temps chargé, mais effectivement j'ai aussi possibilité de prioriser mon agenda et de pouvoir justement prioriser notre commune. Donc c'est une proposition évidemment sur laquelle j'invite à réflexion, à rejoindre une vision aussi, et puis évidemment, ça n'enlève rien au fait que, comme d'habitude, on puisse travailler ensemble et poursuivre toute l'ambition d'une qualité de vie pour tous les Paznais. Merci Thierry. Aurélie. Je me présente devant vous ce soir dans un souci de continuité. On a été élu il y a que 3 ans, effectivement. La prochaine élection sera dans 3 ans, comme la loi l'indique. On a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Les chantiers, effectivement, du logement, hein, dont on pourra parler de manière plus détaillée lors d'une prochaine réunion publique. On est effectivement un pôle de centralité. On a une attractivité qu'on a besoin de gérer, notamment sur cette question-là, pour accueillir tout le monde dans des conditions dignes et de manière accessible. On a tout ce chantier de la transition écologique, alors qui induit effectivement tout le volet énergétique, qui inclut toute la partie biodiversité sur laquelle on travaille depuis 3 ans. Ma candidature ce soir, elle est soutenue par une partie de la liste majoritaire.
car ils ont vu mon investissement dans cette commune. Alors oui, je ne suis pas paznaise de naissance. J'ai justement vécu ailleurs et j'apprécie à sa juste valeur tous les services et toute l'organisation de notre commune qui permet à tous, et c'est bien là notre ambition, à tous de vivre dans un cadre de vie agréable, à proximité de tous les services et de pouvoir s'investir au quotidien dans les différentes associations qui maillent notre commune. Voilà. Merci Aurélie. Donc nous pouvons passer maintenant au vote. Je vais demander aux deux secrétaires de séance, aux deux assesseurs de se déplacer et venir peut-être vérifier si l'urne est vide. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappellerai pour le dépouillement. Non, merci. Donc, le déroulement de chaque tour de scrutin, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il doit me faire constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. Chaque conseiller dépose lui-même son bulletin dans l'urne. Voilà. Donc, je vais commencer l'appel. Donc, prions Nathalie. Merci. Lambert Stéphane. Se prépare Dionne et Monique. Allez, je regarde, si je regarde. Suivi de Gérard Alain. Christine Giraudino. Guitney Aurélie, suivi de Constant Chouvet. Bien. Isabelle. L'Elguach Catherine se prépare. Olivier Guillet. Nathalie Besser. Yannick Lebihan. Laurence Renaudino. Jonas Trentoni. Berthelot Samuel. Richie Thierry. Bina David. Laura Mariette. Fradin Guiluc. Merceron Fabienne. Donc Héros Dominique, donc Bruno. Frédéric, pardon, excuse-moi. Héros Frédéric. Merci. Ogeras Sandra. Et Bruno, tu peux revenir. Christophe Belin,
Merci. David Rimbert. Chauvet Delphine. Pois Blanc Emmanuel. Et Chevalier Christine. Merci. Donc le vote étant terminé, je vais demander aux deux assesseurs de venir faire le dépouillement. Donc s'il vous plaît, vous commencez par compter les bulletins et ensuite on ouvrira. Ou alors, c'est peut-être plus pratique. Bien, merci. Donc le compte est bon, il y a 29 votants sur 29 conseillers. Donc maintenant on peut commencer à ouvrir. On dit en même temps. Oui, si vous voulez, oui. Voilà, c'est ça, 22. Et oui. Deux Thierry Ricci. Et 5 Bruno Clavier. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il faut que je rappelle. Donc, Aurélie Guitny, 22 voix. Bruno Clavier, 5. Et Thierry Ricci, 2. Donc, la majorité étant largement obtenue par Aurélie Guitny, je déclare Aurélie. Maire de Sainte-Pazanne, et je vais lui passer la parole, je vous demande de l'applaudir. Chers
Cher collègue élu, cher Pazné, c'est un immense honneur d'être élu ce soir maire de Sainte-Pazanne. Je vous en remercie très chaleureusement. L'annonce de la démission de Bernard Morillo il y a une dizaine de jours a surpris beaucoup de monde. Cela a questionné les habitants et soulevé quelques interrogations auxquelles il a répondu directement. Comme il l'a indiqué, cette décision était mûrement réfléchie, anticipée et la transition préparée, discutée en bureau municipal et au sein de la liste majoritaire. De par sa grande expérience et sa lecture politique du moment, Bernard a été un maire exceptionnel qui a œuvré pour le rayonnement de Sainte-Pazanne et a posé les bases indispensables d'un développement cohérent et harmonieux. Je le remercie pour toutes ces années qu'il a dédiées à sa commune. Je le remercie également de la grande confiance accordée à l'équipe municipale et de son soutien dans la décision de me présenter ce soir devant vous, dans une sereine transition. Certains s'attendaient peut-être à d'autres candidats et sont à nouveau surpris ce soir. Ça fait beaucoup de surprises en peu de temps. Il faut avouer que pour ceux qui, comme moi, ont toujours connu Bernard Morillo à la tête de la commune, on avoisine le grand écart. En effet, je ne suis pas pazenaise de naissance et j'ai encore quelques années avant d'atteindre peut-être l'âge de la retraite. Cela induit de fait une connaissance du territoire plus succincte et une expérience bien plus limitée. Je suis très consciente de toutes mes lacunes. Ayant donc vécu à d'autres endroits avant de poser mes valises ici, j'apprécie pleinement toutes les qualités de notre petite ville à la campagne, qui accueille tous les services nécessaires à une vie confortable, tout en conservant son caractère rural, en grande partie grâce aux agriculteurs qui nous nourrissent et modèlent nos paysages. Nous avons une situation géographique proche de l'idéal, 20 minutes en train de la dynamique métropole nantaise et à 20 minutes des premières plages. Mais nous avons aussi, et surtout, une vie associative riche qui permet à chacun de s'enrichir d'une pratique sportive ou culturelle, d'œuvrer dans une association caritative et ainsi d'aller à la rencontre de l'autre. Sainte-Pazanne est loin d'être une ville dortoir. Il suffit juste de sortir de chez soi pour découvrir tout ce qui existe et participe à notre attractivité. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à assumer cette attractivité, notamment par le biais d'une urbanisation maîtrisée, permettant à tous de se loger à un prix correct. Deux projets d'envergure sont en cours, vous pourrez le lire dans le prochain bulletin municipal et nous pourrons en discuter lors de la réunion publique prévue le 10 octobre. La problématique du logement, en lien étroit avec les questions de transition écologique, occupera cette deuxième partie de mandat. Revoir l'isolation de nos bâtiments, interroger nos consommations et augmenter la part du végétal en ville sont des chantiers déjà en cours qu'il nous faudra intensifier et financer. Nous n'en oublions pas pour autant la nécessaire solidarité envers ceux que la vie n'a pas épargnés. L'activité du pôle social en témoigne, nos agents sont mobilisés pour répondre aux demandes qui sont de notre ressort. Nous souhaitons aussi poursuivre et intensifier le dialogue avec les habitants en diversifiant nos habitudes. Outre les temps institutionnels, comme les réunions publiques ou la cérémonie des vœux à la population, nous souhaitons aller davantage vers les habitants dans les différents quartiers de résidence. Vous le voyez, il n'y a pas de grand bouleversement au programme, uniquement une continuité dynamisée des actions engagées et la mise en œuvre de celles encore à l'état de projet. Si mes collègues ont estimé que j'étais à même de porter cette écharpe, c'est qu'ils ont pu mesurer mon engagement et mon investissement. Bien que le maire soit souvent plus connu des habitants que ses adjoints, je me risque à une petite métaphore musicale pour indiquer que le plus brillant des chefs d'orchestre, s'il est dépourvu de musiciens, aura bien de la peine à donner un grand récital. C'est d'autant plus vrai pour un chef débutant. Mes collègues élus ici présents sont tout aussi investis que moi, et parfois depuis plusieurs mandats. Cela me sécurise bien évidemment. Tout comme la présence d'agents et de techniciens communaux soucieux du service public et de nous accompagner au mieux dans la mise en œuvre de nos projets, au service de la population. Je mettrai toute mon énergie pour être à la hauteur de la confiance qui m'est accordée ce soir. Et je vais vous proposer à présent de procéder à l'élection de mes premiers violons. Je veux bien sûr parler des adjoints composant le bureau municipal. Donc, nous allons procéder
à l'élection des adjoints, mais avant, il faut en déterminer le nombre. En application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Je rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, je propose au conseil municipal de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Pas besoin de faire voter. Si. Je vous propose de nommer donc 8 adjoints au maire. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Donc c'est adopté. Donc la liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Je rappelle que les adjoints au maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Du coup, on est avantagé. Article L2122-4, L2122-7-2 du CGCT. Là où les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Donc, je constate que 2 listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire ont été déposées. Non. Est-ce qu'il y a une autre liste ? Faut demander d'abord si... Est-ce qu'il y a une autre liste ? On a reçu au préalable donc 2 listes. Est-ce qu'il y a une 3e liste d'adjoints qui verrait le jour ce soir ? Non. Donc, la première liste est conduite par Madame Fabienne Merceron et est composée de Fabienne Merceron, de Guy-Luc Fradin, de Sandra Ogiras et de Bruno Clavier. La 2e liste, conduite par Nathalie Priour, est composée de Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Giraudino, Roger Masson, Mariette Loira et Constant Chauvet. Et ces listes sont jointes au présent procès-verbal. Elles seront jointes. Elles vont être distribuées. Donc... On va procéder de la même manière que pour l'élection précédente. Donc, on va avoir besoin également de 2 assesseurs. On prend les mêmes s'ils sont d'accord. Et chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. On vérifie qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin de modèle uniforme. Et voilà. C'est quelle taille ? C'est petit ? Je mets pas ? Non, on met pas. C'est ça. Et dans vos pochettes de conseil, il reste normalement un bulletin blanc que vous pouvez utiliser à cet effet si les listes distribuées ne vous conviennent pas. On précise pas qu'il n'y a pas de panachage possible et compagnie. Tout à fait, vérifions l'urne. C'est ça. Si des fois Garcimore était parmi nous, c'est un jeu. Allez, okay. Formidable.
Alors, donc, je commence par appeler Nathalie Priour. Et Stéphane, tu peux prendre le chemin de l'urne. Monique ensuite. Ça y est prêt. Monique Dionnet, Gérard Alain. Christine Girodino. Roger Masson. Comment on fait dans ces cas-là ? Aurélie Guitny. Constant Chauvet, Isabelle Nicolas qui arrive, Catherine Aiguache, et après on aura Olivier Guillet. Et Nathalie Bossard. Olivier. Yannick Le Bihan, Laurence Renaudino, merci Anthony Jonâtre, du coup, ouais, dedans. Anthony Jonâtre, Samuel Berthelot ensuite. Thierry Ricci. David Binet, tout à fait. Merci Mariette. Mariette Loira, Christophe Belin, David Rimbert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc. Christine Chevalier, merci. Guy-Luc Fradin, merci. Fabienne Merceron, Bruno Clavier pour Frédéric Hérault. Sandra Ogiras, et Bruno Clavier pour lui-même. Ok. Je vais demander aux assesseurs de bien vouloir revenir. Bah oui, c'est pas fini. Allez-y pour le décompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
29. Très bien. Donc je vais vous demander de dépouiller en annonçant du coup les têtes de liste. Vingt-quatre et cinq, on est bien aux 29 enveloppes déposées, il n'y a pas de bulletin blanc ou nul. Donc, sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Nathalie Priour. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tel qu'il figure sur la feuille de proclamation, ci-jointe. Donc, première adjointe, Nathalie Priour, félicitations. Deuxième adjoint, Stéphane Lambert. Troisième adjointe, Monique Dionnet. Quatrième adjoint, Gérard Alain. Cinquième adjoint, Christine Giraudino. Sixième adjoint, Roger Masson. Septième adjointe, Mariette Loira. Et huitième adjoint, Constant Chauvet. OK. Et donc, on arrive au point 5. On est d'accord ? Délégation du conseil municipal au maire selon l'article L21-22 du CGCT. Donc, Madame le maire peut recevoir délégation du conseil municipal sur un certain nombre de domaines énoncés à l'article L21-22 du CGCT. Il s'agit de délégation de pouvoir. Considérant l'utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances du conseil municipal, il convient au conseil municipal de donner délégation à Madame ou Monsieur le maire sur certaines matières désignées à l'article L21-22 du CGCT. Il est proposé d'accorder à Madame ou Monsieur le maire délégation dans les cas suivants cités à l'article L21-22 du CGCT. Premier article, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Fixer dans les limites de 1 000 euros les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans les limites de 50 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus dans le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L1618-2 et à l'article
L2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Septièmement, créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Onzièmement, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. Fixer dans les limites de l'estimation du domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. Exercer au nom de la commune des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code. 16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants. On va rester en dessous de 50 000. 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite suivante, 5 000 euros. 18. Donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros. 21. Exercer ou déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même Code. 22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité définie aux articles L240-1 à L243 du Code de l'urbanisme. 23. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 24. Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour tout projet éligible de la commune. Donc je vous soumets cette longue liste de délégations au vote. Y a-t-il des oppositions ? Oui, Bruno. Oui. Je trouve que c'est quand même, c'est un peu vite, hein, c'est s'arroger plein pouvoir. Quand même. Il y a quand même là-dedans des nombres d'alinéas qui concernent des décisions que l'on prenait avant collégialement au conseil municipal. Moi, je me dis, on va pas avoir besoin de se réunir sourd. Hein. Quand je vois ça, si tout ça s'est décidé unilatéralement par le maire... Alors, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui se passait avant. Je pense que le premier point 1, déjà. Il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on a voté en 2020, en fait. C'est, Bon, je me pose quand même. Je suis un peu surpris. Oui, tu t'interroges, j'entends. Après, ça n'empêchera pas, effectivement, une présentation des délégations qui auront été utilisées, peut-être, entre deux conseils, par exemple. C'est ce qu'on envisage.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? 5. Des abstentions? Pas d'abstention. OK. Donc on prend bonne note de ton souhait d'une plus grande transparence, non, mais on l'entend, enfin voilà. Tu es dans ton rôle. De rien. Indemnité des élus. Alors, Madame le maire rappelle qu'en vertu de l'article L21-23-17 du CGCT, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, mais elles donnent lieu à des indemnités de fonction destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. En application de l'article 3 de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique au taux plafond, sans délibération du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème à la demande du maire. Le taux maxima des indemnités du maire sont fixés par l'article L21-23-23 du CGCT et celui des adjoints par l'article L21-23-24 du CGCT. Ces taux permettent de calculer l'enveloppe globale et de la répartir. Il appartient au conseil municipal de déterminer librement les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite impérative d'une enveloppe financière composée de l'indemnité maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints en exercice. L'enveloppe financière varie selon la taille de la commune. Pour une commune dont la population est comprise entre 3500 et 9999 habitants, le montant maximal de l'indemnité du maire ne peut dépasser 55% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint ne peut quant à elle dépasser 22% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indice brut 1027 s'élève à 4085,91 € mensuels. Il convient donc dans un premier temps de calculer le montant de l'enveloppe globale indemnitaire. Celle-ci se calcule en fonction du nombre d'adjoints de la façon suivante. L'indemnité maximum du maire, soit 55% de l'indice brut 1027, soit 2247,25. L'indemnité maximum des adjoints, soit 8 fois 22% de l'indice brut 1027, soit 7191,20. Considérant les éléments ci-dessus, il est proposé à l'Assemblée de répartir l'enveloppe financière mensuelle s'élevant à 9438,45 de la manière suivante. Donc en 2020, on avait déjà revu en fait cette répartition de manière à ne pas être au plafond ni pour le maire ni pour les adjoints, afin de pouvoir accueillir un conseiller délégué, ce qu'on vous propose de refaire pour cette deuxième partie de mandat, d'avoir à nouveau un conseiller délégué. Voilà, qui sera en charge de tout ce qui est mobilité et accessibilité. Voilà, on a la personne d'Anthony Jaunâtre, hein, comme ça que les choses soient dites. Et on avait également proposé, ce qui est nullement une obligation, comme vous l'avez entendu au préalable, une indemnité pour chacun des conseillers municipaux. 1% de l'indice brut 1027. Donc, en redécoupant l'enveloppe, on est arrivé à donc une indemnité du maire. Oui. Et il y a un conseiller municipal qui a souhaité renoncer à son indemnité d'élu. Donc l'indemnité du maire, 52% de l'indice brut 1027. Donc je passe là en dessous. Soit 2124,67 brut. 8 adjoints à 18,50% de l'indice 1027, soit 755,89 € brut. Un conseiller délégué à 13% à 531,17 brut. Et 18 conseillers à 1% à 40,86 €. La somme versée au conseiller se fera en deux fois par an et permettra d'indemniser une partie des frais engagés liés à la fonction d'élu.
Donc je vous propose cette répartition au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc le prochain conseil municipal, il est fixé dès la semaine prochaine. La rentrée est un petit peu chargée. On se retrouve la semaine prochaine, le 19 septembre 2023, à 21h. Ce qu'on a dit les collègues. Parce que la semaine prochaine, pour ceux qui ont... Vous avez normalement tous eu un mail vous informant d'une première réunion justement sur le site Gauvry. On a beaucoup parlé logement les uns et les autres tout à l'heure. Donc il y a une première rencontre avec Loire-Atlantique Développement sur site à... 18h30. Donc réunion à Gauvry à 18h30 pour ceux qui peuvent. Et merci de nous indiquer ceux qui pourront être là mardi prochain à 18h30. Et la réunion avec LAD, voilà, risquant de se prolonger jusqu'à 20h30, on vous propose de décaler un petit peu le conseil municipal à 21h, donc la semaine prochaine, le 19 septembre. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée.